Aujourd'hui, on est bien samedi 24 avril 2020 et je vous emmène dans mon petit jardin. Oh, c'est pas mon petit jardin secret, non, c'est, on va dire c'est mon petit coin à moi. Regardez, ce matin j'ai fait du nettoyage, j'ai commencé à 7h, 7h moins 5 il était. Les tomates, vous voyez, commencent à faire des fleurs. Mon cassis aussi. J'ai nettoyé. Il est beau. Ces fleurs-là sont magnifiques. Bravo. Ah, j'ai oublié de les tailler, tiens. Elles s'ouvrent avec le soleil. C'est juste un vrai bonheur. Quand le soleil est là, elles s'ouvrent. C'est juste un vrai bonheur. Encore des tomates. C'est pas les mêmes. Là, c'est du romarin. Oh, du romarin. Il est beau, il pousse. Là, c'est des oignons, alors je ne sais pas trop quoi en faire. C'est des oignons blancs, alors je ne sais pas. Je laisse faire la nature, on verra bien. Encore des tomates. On va se faire une fournée de tomates cet été. Là, ce sont encore mes petits oignons, je ne sais pas, on verra bien. Et là, c'est. Je l'ai nettoyé complètement parce qu'il avait plein de feuilles malades. J'ai coupé, j'ai taillé, j'ai enlevé les herbes, enfin bon. Voilà. Le petit rosier qui est en bouton. Oh là là. Bientôt des roses. Là, c'est des fraisiers. Mais c'est les fraisiers de l'année dernière, en fait, qui sont en train de repousser. C'est pas beau, ça? Regardez. Oh, j'avais pas remarqué. Ils sont en fleurs, dis donc. Ils vont pas tarder à donner des fraises. Oh, c'est génial. Alors là, c'est mes radis. Ouais, bah ouais, je me suis plantée. Il faudrait peut-être que j'enlève tous ceux qui ont les feuilles jaunes, de façon à laisser pousser les autres. J'ai un petit peu semé au hasard. J'ai dit, advienne que pourra. Voilà. Là, pareil. Ils sont un petit peu plus parsemés, mais bon. Il faudrait que j'enlève aussi, pareil, toutes feuilles qui sont oranges. Bah voilà, là encore. Les fraisiers de l'année dernière. Ils sont en train de donner des fleurs. Un petit rosier. Alors là, j'espère qu'il va repousser. Le petit géranium, quoi, que j'ai coupé. Il y a des troncs qui sont encore verts, d'autres pas du tout. On verra bien. Ah, ben j'ai oublié de nettoyer celui-là. Et pourtant, il fait des fleurs aussi. Là, c'est la gamelle des tourterelles. Vous les entendez? Eh ouais, tout à l'heure elles étaient là. Voilà. Ça, c'est le thym qui pousse. Alors en arrachant les fleurs tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un pissenlit, donc je l'ai replanté. On verra bien. S'il veut pousser, il pousse. S'il veut pas, bah, il fera comme il veut, comme il le sent. Comme, voilà. Les framboisiers. Voilà. Nettoyer ce rosier là, j'y tiens particulièrement, non pas que j'aime pas les autres, hein, bien au contraire, mais je l'ai acheté quand ma maman est partie. Donc c'est un rosier qui à la base était jaune et qui quand il fait des fleurs, bah elle change. Il commence par être jaune, il devient blanc, il passe par le rose, enfin, il est juste formidable. Il a été très malade, mais il a tenu le coup, hein, depuis plus de 4 ans maintenant. Il tient le coup, il s'accroche, hein, et merci à toi. Hein. Hop, et tiens, regardez, il est en train de faire un bourgeon, là. Tiens. Est-ce qu'on le voit? Là. Eh ouais. Alors j'espère que ça va aller. Ah, mon laurier. J'ai dû faire du nettoyage aussi parce que le pauvre a été. Je ne sais pas si c'est les pluies ou les insectes, mais toujours il n'était pas en très grande forme. Donc j'ai un petit peu coupé ce qu'il y avait à couper. Voilà. Là, on a le citronnier qui nous donne des citrons tous les ans. Hein. Il est. Il est bien. Bon, il ne nous donne pas autant de citrons qu'il a de fleurs, mais quand même, on en a 4-5
De quoi faire une bonne tarte au citron. Très bien. Alors ça, c'est, je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est un arbre à clémentine. Un clémentinier, peut-être, je sais pas. Mais il donne plein de fleurs, mais pas une clémentine depuis le temps. Ouais, c'est pas grave. Hein, c'est... Après tout, c'est fini comme arbre d'ornement. Et c'est très bien. Je lui en veux pas du tout. Il fait comme il veut. Il fait comme il peut, surtout. Parce que c'est pas toujours facile non plus. Alors là... Nous avons des courgettes que j'ai plantées. J'ai mis les graines et je me suis dit, ma foi, poussera ou poussera pas. D'ailleurs, on les voit, les graines. Vous avez vu, là? Là. Graines. Là. Les graines que j'ai plantées. Et voilà ce qu'il en ressort. Voilà. Bon, ça, c'est des... Pareil, mais... ils avaient déjà poussé, mais regardez... Regardez, là, 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 et cette belle fleur. Oh, j'adore ces fleurs de... Elles sont magnifiques. Je les trouve très belles. Là, pour des tomates. On verra bien. Ça donnait. Alors là, pareil pour les carottes. Je me suis un petit peu lâchée sur les carottes. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, comme pour les radis, hein, on va attendre et puis on prendra celles qui sont le plus faibles. On les enlèvera pour laisser la place aux autres. Voilà, voilà, voilà. Et là, encore un. Mon géranium, j'adore le géranium, mais il y en a des magnifiques. Et celui-là, il est en fleurs, donc c'est top. C'est top. Là, pareil. Je ne sais pas si vous entendez le chant des oiseaux, mais c'est juste un vrai bonheur. Encore des fraises. Les fraises de l'année dernière. Petit oiseau, voilà. Les fraises de l'année dernière. Voilà. Ben ici, on a planté un truc. Je sais plus ce que c'est, mais bon, je sais qu'il y a un truc dedans, donc on va attendre que ça pousse. Hein. Au départ, on avait fait ça pour Maxence, qui avait envie d'avoir des plantes carnivores, donc on a fait l'essai, on a été au champ, on a acheté le bac de plantes carnivores et bah pour l'instant ça donne pas des masses, hein, donc on attend. Hello les amis, aujourd'hui j'essaye avec vous une nouvelle façon de faire des vidéos. Grâce à mon chéri qui m'a fait un support, mais tout à fait, comment dirais-je, avec de la récup. Hein. Du coup, ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus librement et beaucoup plus tranquillement au final. Voilà. Donc, la vie n'est qu'un jeu. Donc, profitons de la vie, et du soleil, amusons-nous. Alors, la première chose, je voulais vous dire que je ne suis pas toute seule. J'ai apporté ça avec moi. Alors lui, c'est qui? Je l'ai nommé Mango. Pourquoi j'ai appelé Mango? Parce que il va être avec moi en vidéo. Et Mango, c'est le mélange entre mental et ego. Mango. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc aujourd'hui. Donc, je viens vous dire, youpi, je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse? Parce que depuis le déconfinement, je suis désolée pour ceux qui ont pris du poids pendant le déconfinement, le confinement, pardon. Je me vois déjà ailleurs. Je suis déjà ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. Donc, qui ont pris du poids, bah, moi, contrairement à tout le monde, bah, j'en ai perdu. Alors, non, je ne suis pas malade. Non, tout va bien. Mais... il y a une chose que je fais, c'est que j'écoute mon corps. Et quand on écoute son corps, forcément, ça va mieux.
N'écoutez pas, elle vous raconte que des blagues. Oh, toi, hein, je t'ai rien demandé, d'accord? Alors, quand on t'appellera, tu arriveras. Non, je vous raconte pas des blagues, sans blague. Je vous dis seulement que j'écoute mon corps, c'est-à-dire que si à midi, j'ai pas faim, je mange pas. Je mange quand mon corps a faim. Le matin, au déjeuner, avant, je m'obligeais à manger du pain ou des tartines ou n'importe. Bah, maintenant, non. Maintenant, je bois juste un café. Et voilà, et je tiens comme ça. Et vous savez quoi? Je suis en pleine forme, en pleine forme. J'ai même pas, j'ai le corps qui fatigue, mais mentalement, je suis dans une forme géniale. Je revis, je me sens légère, je me sens géniale. Alors c'est vrai que pour, comme j'ai eu l'opération de la sleeve, comment apporter les vitamines et tout, je fais appel à des compléments alimentaires pour booster mon immunité, pour apporter beaucoup de choses que je ne peux pas manger puisque je mange en toute petite quantité. Ceci dit, c'est pas, ça ne date pas du confinement parce que l'opération, je l'ai subie il y a 3 ans. Et il y a, avant le confinement, l'opération, je l'avais fait, elle avait très bien marché, je n'ai pas eu de problème post-opératoire, rien du tout, tout a été très bien, sauf que bah, j'avais repris du poids. Pourquoi? Je n'avais pas compris à l'époque. J'avais pris du poids. Et je me suis mise à me dire que si j'avais pris du poids, au final, c'était parce qu'il y avait une raison. Mais laquelle? Mais laquelle? Et j'ai commencé à écouter mon corps. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos. Si vous avez vu, je vous ai fait des vidéos en parlant de fibromyalgie et de migraine, le pourquoi du comment de la fibro et le pourquoi du comment de la migraine. Ceci m'a poussé à me poser des questions. Et je me suis dit, en fait, si je prends du poids, c'est pas dû à ce que je mange, c'est juste dû à un problème que j'ai à l'intérieur. Et tant que je ne résoudrai pas le problème que j'ai à l'intérieur, mon corps continuera à prendre du poids. Parce que, eh ben, il me dit, t'as un problème, ma vieille, il faut que tu le résoudes. Elle vous raconte n'importe quoi. Ben, on va voir si c'est n'importe quoi. Bref, donc, ben, j'ai commencé à écouter mon corps. J'ai écouté mon corps et puis, petit à petit, il me dit, ça, j'en veux pas. Alors, j'ai arrêté. Et puis ça, j'en veux pas non plus. Donc, j'ai arrêté aussi. Et puis, j'en veux pas non plus. Eh bien, figurez-vous que j'avais déjà, comme je vous dis, j'avais déjà commencé avant le confinement. Et j'ai continué forcément pendant le confinement. Donc, entre le nettoyage qui se fait avec les énergies qui tombent, et en ce moment, ah, ça bombarde sec. Elle vous dit encore n'importe quoi. Oh, toi, hein, s'il te plaît. Hein, s'il y a bien quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est toi, c'est pas moi. En ce moment, les énergies, elles bombardent de sec. Alors, entre les énergies qui nettoient les corps physiques, éthériques, spirituels, etc. Et le fait que j'écoute mon corps, eh ben, ça me permet de me dire ce que je dois manger ou pas. Donc, je change ma façon de manger. Je change, j'écoute. Quand je mange que quand j'ai envie. Je ne me force plus à manger à des heures précises. Tac, 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 tac. Il est 8 heures quand tu te lèves, tu manges. Il est midi, c'est l'heure de manger, tu manges. Il est 14 heures, c'est l'heure de goûter, tu goûtes. Il est 19 heures, c'est l'heure de manger, tu manges. Non. Eh ben, je suis désolée, j'ai fini avec ça. Résultat des courses. Début du confinement, 72 kilos. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, 66. Voilà. Bah, le résultat. Alors, je te raconte des cracks, hein? Voilà. Tout ça pour vous dire que la vie est un grand jeu, hein, et qu'il n'y a pas besoin de se rendre malade avec la situation actuelle, parce que le tout, c'est écouter, écouter son corps, écouter son cœur, écouter son cœur. Et il vous donne la réponse, il vous donne toutes les réponses, hein. Si vous êtes si vous avez décidé d'être alors c'est pas si vous avez décidé au final, c'est si vous avez ouvert les yeux, hein, et que vous voyez que le monde dans lequel on veut que l'on vive
tourne à l'envers, donc c'est absolument n'importe quoi, ben, je vous conseille effectivement de faire comme moi, hein, refuser ce qui ne vous convient pas, refuser tout ce qui n'est pas bon pour vous, et faites vos propres choix, les choix de votre cœur. Ouais, mais bon, c'est bien, hein, mais tu vas pas arriver à grand chose en disant ça. Il m'agace. Bref. Est-ce que tu crois que les gens ils vont te croire, hein, sérieux? Mais bien sûr qu'ils vont me croire, les gens. Il y en a qui me croient parce qu'ils ont déjà fait l'expérience. Ils me croient. Tu veux juste te rendre intéressante, hein, et apporter un maximum de vues à ta vidéo. Mango, s'il te plaît, hein, parce que si je suis arrivée, si j'ai fait la première vidéo, c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit tu devrais bien faire des vidéos. Alors maintenant, tu, hein, clapper, s'il te plaît, hein. Donc, ouais, on a une petite conversation intime tous les deux qu'on vous fait partager. Voilà. Ça, c'est des choses que j'entends à longueur de journée dans ma tête. Si je ne fais pas attention, c'est... Ah. Bon, donc je vous dis, je suis happy parce que j'ai trouvé la voie. J'ai trouvé la voie. Et autre chose, je voulais vous dire aussi vite fait comme ça, en passant, hein, parce que je ne veux pas vous prendre tout votre dimanche, hein, ça serait ballot. Quand vous avez décidé de faire votre chemin et d'aller vers la lumière, hein, d'aller vers la lumière, ben, que vous priez, que vous demandez à ce que les choses, qu'on vous aide à aller de l'avant, qu'on vous aide à trouver le chemin, qu'on vous aide à apporter des solutions à vos problèmes, que Dieu ou l'univers ou la source, comme vous voulez, moi je les réunis tous les trois, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Quand vous leur demandez, vous êtes exécuté, surtout en ce moment avec les énergies qui tombent, la vibration qui monte, vous êtes exécuté dans les heures, voire les jours qui viennent. Moi, j'ai demandé à ce que mon passé soit complètement révolu. Le passé, c'est le passé. Je veux aller de l'avant, je ne veux pas aller de l'arrière. Je vois passer des choses sur Facebook et il y en a qui m'interpellent. Alors, j'ai envie de répondre. Et là, j'entends, non, ça ne fait plus partie de ta vie. Ça fait plus partie de ta vie d'aujourd'hui. Tu as voulu tirer un trait sur passé, tu tires un trait sur passé, tu tires un trait sur système, tu ne réponds pas. Je ne réponds pas. Il y en a d'autres que je partage, non pas parce que, juste parce qu'elles m'ont interpellée, juste parce qu'elles vont dans la voie de ce que je continue à vous faire partager, malgré le fait que j'essaye d'aller de l'avant, mais il est bien évident que si je peux continuer à aider des gens, à aider des personnes à s'éveiller, je le ferai avec plaisir, et mon cœur me dit de le faire, donc je le ferai sans aucun souci. Ceci dit, je suis de moins en moins en raccord avec ce monde que l'on vit, et de plus en plus en raccord avec le monde de la lumière et de l'amour. Hier, j'ai été voir dans un groupe, d'ailleurs, par exemple, hier on m'a mis dans un groupe de Messenger, je n'étais même pas au courant, on m'a même pas prévenu, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, schlac, on m'a mis dans un groupe, j'y sais quoi ce bordel. Je vais dans le groupe et puis je vois, tout le monde voulait prendre les armes, descendre dans la rue et tout. Mais ça m'a semblé tellement absurde, cette façon d'agir, que je n'ai rien dit, j'ai quitté le groupe. Terminé, j'ai quitté le groupe. Je peux le dire, je suis une guerrière pacifiste. C'est-à-dire que je sais, au fond de moi, ouais, ça y est, elle va nous sortir sa science. Oh ouais, ça va, non, je ne sors pas ma science, je sors juste ce que je sais au fond de moi, d'accord? Et que tu sais aussi, mais que tu ne veux pas que je le dise parce que tu as trop peur de la vérité. Alors stop, hein, Mango. Donc, je vous disais que il m'est impossible pour moi, maintenant, il m'est impossible d'accepter la violence. Je n'accepte pas la violence, je n'accepte pas les horreurs, je n'accepte pas tout ça. Et je suis dans un, comment dirais-je, un autre espace-temps. Voilà, je ne suis pas...
Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour tout ce qui se passe actuellement. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je n'ai pas le cœur qui saigne pour tout ce qui se passe en ce moment. Mais je ne peux résolument pas revenir en arrière. Ça m'est impossible. Alors déjà, je ne peux pas revenir en arrière. Parce que vu tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, c'est juste magnifique. Et il est hors de question que je revienne en arrière pour quelques raisons que ce soit. Mais qu'en plus, quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes dans l'amour et quand vous faites confiance et que vous vous dites, il y a là-haut, ils sont à l'œuvre pour nous. Nous, on a juste à les suivre et à suivre leurs conseils. Leurs conseils, attention, parce que si c'est quelque chose que l'on vous impose, si dans votre tête, vous avez une imposition comme Mango, hein, qui fait des impositions, qui t'impose, qui te dit « tu dois faire ça, tu dois faire ça », non. Votre âme, elle vous dit « je te conseille, il serait plus prudent ou fais attention parce que… » Voilà, ça c'est un conseil que vous pouvez être sûr que vous pouvez suivre. Mais Monsieur Mango, lui, il peut prendre des voix très douces, sauf que quand vous avez appris à le connaître, le Mango, hein, et ben, vous ne vous laissez plus faire parce que vous savez que c'est lui qui est à l'œuvre. Même s'il prend une voix très gentille et même si il a toujours le « tu ». Et quand il dit « tu », avec seulement « tu » et non pas « je te conseille » ou « à mon sens » ou « à mon avis » ou « voilà ». Alors, votre âme, elle vous conseille, elle ne vous impose rien. Elle vous conseille. Elle vous dit, moi, j'aimerais aller là, alors si tu veux bien, on va là. Hein? J'ai envie de faire ça, alors si tu veux bien, on va faire ça. Hein? Lui, il dit, tu dois, tu fais, tu. Eh bien, non, Mango, dis-toi bien, à partir de maintenant, je ne ferai pas comme tu le veux. Mais c'est moi qui suis, enfin, mon âme qui est te commande. Ce n'est plus toi. Alors, bye bye, Mango. Voilà, donc pour aujourd'hui, Mango va un peu fermer son clapet. Hein, et tout ça pour vous dire que c'est vrai que c'est perturbant, c'est vrai que nous avons des moments très compliqués, mais il faut aussi en profiter pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire revenir en nous et prier. Parce que je vous assure que prier, c'est très important. Alors, je ne vous dis pas de faire les prières, mais ça, je vous l'ai déjà dit souvent dans les vidéos, mais je vous le répète parce que c'est très important. Je vous dis pas de prier, de faire les prières qu'on vous dit à l'église, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui a une religion. Ça, c'est tout à fait dans vos... et il n'y a pas de jugement et tout va très bien. Mais à mon sens, parce que moi, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens qu'à Dieu, le Créateur, c'est tout. Donc, à partir du moment où je prie et que je demande avec gratitude et remerciement quelque chose, je l'obtiens. J'ai demandé à ce que mon passé soit foreclose. Il est foreclose, il est scellé, schlac, terminé. Il ne m'impacte plus. J'ai demandé à voir la comédie, la grosse comédie qu'il y a dans ce monde. Je la vois, je l'ai vue. Merci, gratitude. J'ai demandé à rencontrer les bonnes personnes pour continuer dans mon chemin. Je les rencontre. Merci, gratitude. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et à chaque fois, vous aurez les réponses que vous devez avoir. Les vôtres ne sont peut-être pas les miennes parce qu'on n'a pas le même vécu. Mais au fond, quelque part, le but est le même, c'est-à-dire de se réunir et de faire en sorte que cette séparation entre la 3D et la 5D prenne vraiment toute son ampleur, prenne vraiment tout j'allais dire sa grandiosité. J'en suis à un point où j'invente des mots. Grandiosité, voilà. Alors je ne sais pas si ça vous parle, grandiosité, moi c'est le mot qui vient de me venir, là je ne sais pas. Tout son amour, toute sa puissance, et voilà. Et je vous assure
que ceux qui me suivent, vous avez dû voir les étapes et vous avez dû voir le changement depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qui a commencé la chaîne il y a un peu plus d'un an maintenant, quelque chose comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, mon message, c'était « I'm so happy ». Voilà. Je suis heureuse. Et plus je suis heureuse, et plus tout va bien, et les choses arrivent de mieux en mieux. Alors, on voit distinctement les gens qui veulent aller vers les belles choses, les bonnes choses, qui veulent avoir une vie en paix, tranquille. Et ces gens-là sont protégés parce qu'ils vont du bon côté. Et puis on voit ceux qui restent attachés à ce système, qui veulent se battre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre, mais qui veulent sortir à la castagne et tout. On revient à ce qui s'est passé avant le confinement avec les gilets jaunes et avec tous les autres. Ça a servi à quoi? À rien du tout. Il n'y a rien qui est sorti de ça, malgré que ça a fait changer. Ça a fait changer quoi au final? Des gens qui se sont retrouvés en tôle, des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, des gens qui sont décédés à cause des LBD de la police, qui aujourd'hui nous verbalisent pour accepter les conditions du système. Non, j'adhère plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, moi, je veux faire vivre le bon. Je voyais le soleil qui rayonne là. Oh, c'est juste magnifique. Hein? Et même quand il n'y a pas de soleil, ben, au fond de votre cœur, le soleil est là. Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se joue à l'instant présent. Vous avez une multitude. Alors, je ne vous dis pas qu'elles sont toutes bonnes, hein, mais vous avez une multitude de façons de vous relaxer sur YouTube, des méditations à faire, faites attention à celles que vous faites quand même, hein. Mais des méditations, des séances d'hypnose pour le lâcher prise. Et le plus important, c'est de lâcher prise. Arrêtez avec la peur, arrêtez avec tout. Lâchez prise, lâchez prise. Et tout ce que vous demandez vous sera donné, à condition que vous fassiez le premier pas et que vous plantiez les graines de ce que vous voulez voir arriver. J'ai planté des graines, je le vois arriver. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, hein? Mais bon, peu importe. Ça arrive comme ça arrive, peu importe. Finalement, c'est le résultat qui compte. Le résultat, vous avez demandé quelque chose, vous l'obtenez. Peu importe comment vous l'obtenez, peu importe si vous... Ah ben, là, je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus comme ça. Ben ouais, ben... On vous demande juste, ben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Fais le premier pas pour montrer ce que tu veux dans la vie et tu l'auras. Mais il faut que tu lances les graines et puis il faut que tu demandes, forcément, parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Je te rappelle que tu as ton libre arbitre au même sens, comme nous tous, hein, et on ne va pas t'imposer quelque chose de bien si toi, de ton côté, tu as dit, mais j'en veux pas ton truc là. J'en veux pas, moi je veux pas être heureuse, moi je veux pas aller dans la lumière, moi ce système il me convient très bien, moi je suis bien avec mon petit confort et tous mes petits machins, et j'aime bien me faire abrutir par la télé, et j'aime bien me faire abrutir par les médias, et j'aime bien rester là, les yeux fermés, à pas voir ce qui se passe. Mais c'est ton droit, c'est ton droit. Mais respecte le droit des autres et n'empêche pas les gens de voir la vie comme ils le sentent. Si les gens n'ont pas envie, hein, ne veulent pas adhérer à ton point de vue, tu ne les obliges pas. Comme nous, on ne va pas t'obliger à adhérer à notre point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, je suis happy parce que la vie est belle. Mais la vie est belle, les enfants, vous pouvez vous imaginer comme la vie est belle. Ceci, même si ce n'est pas toujours facile, si ce n'est pas toujours évident, si nous avons quand même des moments assez... coriace à passer, et ça je ne dis pas le contraire, mais quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes quand votre mental, quand votre mango à vous, parce que je vous ai montré le mien, mais quand votre mango à vous, votre mental commence à tourner à toute vitesse et que ça vous prend la tête et que ça vous donne des mal de crâne, dites-lui stop, ça suffit, je veux la paix, fous-moi la paix, c'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire, j'ai entendu, maintenant stop. Et c'est
ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais au final, ça, c'est tellement facile qu'on n'y pense même pas. Pensez à ce qui est facile, ne pensez pas à ce qui est compliqué, pensez à ce qui est facile. Ce qui est compliqué, c'est, ça fait partie du système, on veut vous imposer des trucs, des machins et tout. Et ça, c'est compliqué d'entrer dans les cases. C'est compliqué d'accepter qu'on vous donne des ordres, c'est compliqué d'accepter d'être, d'être soumis à la corde, à un monsieur qui, soi-disant, est à la tête de tout. Mais moi, ce monsieur, pour moi, il n'est rien. Ce monsieur, pour moi, il ne compte pas. Parce que c'est pas moi, j'ai pas été le chercher ce monsieur. Pour moi, il ne compte pas. Le seul qui compte pour moi, c'est celui qui m'a créé, qui a créé mon âme et qui m'en a fait cadeau sur mon corps actuellement et qui fait que aujourd'hui, ben, petit à petit, je me tourne de plus en plus. Mais quand je vous dis de plus en plus, c'est que ça fait longtemps que je me suis tournée vers lui. Mais de plus en plus, j'y vais de plus en plus. Et j'aime ça. Et j'aime ça parce que plus vous êtes heureux, plus vous donnez du bonheur, et plus vous en recevez au final. Et c'est un échange tellement merveilleux qu'on ne peut pas faire autrement. Alors moi, je vous dis, je suis happy. Et je vous souhaite à vous tous d'être aussi happy que moi. Être aussi heureux. Soyez dans le bonheur, soyez dans la joie de vivre. Ne faites plus attention à quoi que ce soit, ne faites plus attention. Faites confiance, ayez la foi, soyez dans votre cœur et vous verrez comment la vie est belle, mais comme elle est belle, malgré ce qu'on veut vous faire croire, malgré ce qu'on veut vous faire dire, malgré tous les mensonges qu'on vous envoie pour que vous ne sortez pas du côté sombre. Pour finir cette vidéo, vous ferez l'expérience si vous voulez, si vous ne l'avez déjà pas faite. Mais c'est tellement évident qu'on n'y prête même pas attention, mais à la fois c'est tellement logique et ça représente tellement ce que l'on vit actuellement que j'ai envie de vous dire, quand il fait noir dans une pièce, il fait sombre dans une pièce, vous allez, je sais pas, dans votre chambre, dans le salon, peu importe. Il fait sombre. Ne serait-ce qu'une bougie, sans même toucher au courant, en électricité, ne serait-ce qu'une bougie. Vous allumez une bougie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La bougie vous éclaire. La lumière vous éclaire. L'ombre disparaît. L'ombre disparaît. Mieux, vous êtes dehors, en pleine nuit. Et vous voyez, et il y a quelque part quelqu'un qui a la lumière allumée. Vous le voyez, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus que la lumière. Vous voyez la lumière au bout de la rue, au bout de l'impasse, au bout du tunnel. Voilà, rien ne peut éteindre la lumière divine, rien du tout. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon dimanche à tous et de tout cœur. Je vous aime et je vous envoie tout mon amour. Des bisous par milliers et soyez heureux, soyez en paix. Et n'oubliez pas de choisir votre camp.